Alors, ça y est, on a trois en stock. Okay. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous recherchons des chocolats pour notre papa. C'est bientôt son anniversaire. D'accord. Alors, déjà, bienvenue dans notre super boutique de bonbons, chocolats et autres gourmandises. Love. Alors, donc il aime quel type de chocolat, votre papa? Il aime bien les chocolats noirs. D'accord. Et en tout cas, aussi beaucoup les mon chéri. Les mon chéri, en plus, c'est un petit message d'amour, ça. Alors, en chocolat noir, nous allons avoir, je réfléchis, nous allons avoir des espèces de mignonnettes. De gourmandise, nous adorons les chocolats. Alors, nous allons regarder ce que nous allons pouvoir lui donner pour lui faire plaisir. Alors, nous allons avoir... Je pense que ceci devrait peut-être lui plaire. C'est une petite sensation un peu glacée, comme ça. Hop là. Est-ce que vous voulez goûter? Oui. Oui. Ça, après, si vous n'aimez pas le chocolat noir, mais bon. Un tout petit morceau peut-être? Laissez-le en entier. En entier, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais regarder pendant ce temps-là si j'ai une gourmandise avec des cerises dedans. Dire que vous approchez d'une période, votre papa a bien de la chance pour son anniversaire entre Halloween et Noël. On commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ceci qui lui plairait? Oui. Oui, d'accord. Alors, je ne vais pas vous faire goûter parce que... Je n'aime pas l'alcool. Voilà, je pense que vous n'en avez pas l'âge non plus. Est-ce que vous désirez une boîte entière ou vous préférez que je vous fasse un petit assortiment avec ce chocolat à la cerise qui est une petite merveille pour ceux qui aiment, du petite mignonnette de chocolat noir. Et il y a une chose que je peux vous proposer. Est-ce qu'il aime le maspa? Oui. Oui. Ce sont des chocolats qu'on ne trouve pas facilement. Ce sont des chocolats Mozart. C'est un chocolat qui est chocolat au lait, mais étant donné que dedans il y a le massepain, les pistaches, les amandes, on est sur un chocolat vraiment différent. Est-ce que vous aimez les massepains? Non. Pas trop, d'accord. Donc je ne vais pas vous faire goûter, mais est-ce que vous voudriez qu'on en mette 2-3 dans son petit coffret cadeau? Oui, d'accord. Donc, on va mettre quelques mon chéri, quelques chocolats comme celui-ci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres petites gourmandises qu'il aime? Oui. Oui. Lesquelles? Est-ce que les... Ah, peut-être quelque chose. C'est un coquin, votre papa? Oui. Oui, il aime bien s'amuser. Est-ce que des chocolats pétards au chocolat noir, ça lui ferait plaisir? Oui. Nous avons reçu des chocolats pétards, noirs ou au lait. Donc, je pense avoir compris qu'il aime bien les chocolats noirs.
Mais quand on reçoit un cadeau, on aime bien le partager. Donc, je vous propose de mettre quelques chocolats au lait pour que papa puisse profiter avec ses petites filles. Oui, je vais l'ouvrir. Alors, regardez ça. Voilà, ah, celui-là. Alors, celui-là. C'est éclat de meringue, praliné et chocolat noir. Je vous le fais goûter. Et les petites surprises, bien sûr. Qu'on ne fera pas fonctionner ici, mais il y a aussi des petites blagues ou des petites devinettes. Qui veut le goûter? Sinon vous le coupez en deux. Vous le coupez en deux. Voilà. Alors moi je vais regarder la petite devinette. Alors c'est pas une devinette, non, ce sont des citations. Un grain de gaieté assaisonne tout. Balthazar Graciano. Et là, le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même, de Confucius. Alors, je vais vous faire un petit pack pour votre papa. Est-ce que quelque chose vous ferait plaisir à vous? Parce que là, c'est quand même Halloween, vous allez peut-être aller faire ding-dong. Peut-être? Oui. Et si pas, vous aimeriez avoir quelque chose pour la maison? Donc moi j'aime bien les chocolats avec de la nougatine dedans. Avec de la nougatine? J'ai peut-être des mignonnettes. On va regarder ça. Alors ici... oui, voilà, nous avons celle-ci. Je vous en mets de côté alors. Je vous en mets combien? 8. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'en aurai assez. 7 et 8. Je l'ai ajouté dans votre petit pack. Pour la petite demoiselle. Est-ce que vous avez du chocolat au lait avec de la nougatine? Du chocolat au lait avec de la nougatine? Enfin, je pense qu'elle va parler des Toblerones. Ah, les petites pyramides. Je vais regarder ça. Vous avez de la chance, je pense bien, parce que c'est mon dernier, celui-là. Fait 8 morceaux. Je les mets dans le pack. Alors, je vais faire le petit compte. Voilà, je vous donne votre ticket et vous allez à la caisse à l'entrée. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je vais continuer un petit peu mes comptes. Hein, d'accord? Je vous souhaite une très bonne journée et un merveilleux anniversaire à votre papa. Au revoir. Alors, ça, on va en avoir assez. Est-ce qu'il nous reste des guimauves? Oui. Oh, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai l'impression, rien qu'en vous regardant là, vous voyez, vous êtes aiguisé, que vous auriez besoin d'un petit panier. Oui.
panier Jack o' Lantern. Oui. Jack o' Lantern. Alors, vous avez ici un panier Jack o' Lantern. Est-ce que vous désirez qu'il y ait déjà des bonbons dedans ou vous allez jeter des sorts pour avoir des bonbons? Les bonbons après. D'accord. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que nous avons comme bonbons d'Halloween. Alors, nous avons des œufs de dragon. Des œufs au chocolat au lait enrobés de sucre. Et ce sont des petits emballages individuels, donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de prendre tout si vous avez peur de ne pas aimer. Hein. Ça c'est sympa parce que comme c'est des tout petits, vous pouvez en manger qu'un ou deux et puis manger un ou deux d'autres choses, comme par exemple ce que je peux vous proposer. Ici, nous avons un œuf dans lequel nous pourrions aller mettre des petites cacahuètes très 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 connues. Vous connaissez? Oui. Et comme on est à Halloween, vous avez même le droit d'en manger une orange parce qu'on est à Halloween. Hop. Et puis moi aussi d'ailleurs. Un sachet entier? Oui. Donc je ne vous les mets pas dans un œuf alors? Non. Le sachet complet? Peut-être un œuf aussi pour offrir. Donc je vous mets l'œuf tout seul? Oui. D'accord. Je vous mets l'œuf dans votre petit panier, d'accord? Le sachet de M&M's, je vais vous en mettre tout nouveau bien sûr. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer d'horribilis? Ça, en général, c'est un petit peu. Oui, mademoiselle. Les goûts, je ne suis pas bien sûre qu'il y ait des goûts, nous allons vérifier. Par contre, il y a des couleurs. Alors, regardons ça. Concentré de fruits et de plantes, pommes, kiwi, carottes, hibiscus, cassis. Ah oui, donc vous avez diverses couleurs. Donc, je pense que le vert, c'est la pomme. Vous avez orange, citron. Il y a pas mal de choses. Et nous allons l'ouvrir. Afin de pouvoir en acheter à la pièce. Parce qu'on ne va pas acheter toute la boîte sinon. Voilà, donc vous allez avoir le cassis. Oui. Oui. Mon ami voudrait bien goûter. Lequel? Cassis, plutôt pomme, plutôt citron et fraise. Citron et fraise pour mademoiselle. Et vous? Non. Je vais goûter cassis. Cassis. Merci. Et moi, je vais prendre kiwi ananas. C'est amusant, hein? Est-ce que je vais vous en mettre? Combien? Une poignée. Une poignée. Une petite poignée. Oh bon. Et alors,
J'ai à vous proposer aussi, bon, ça vous connaissez déjà, je pense vous avoir déjà vu dans le magasin. Alors ici, c'est la fournée Halloween avec les soucoupes volantes. Halloween, où vous allez avoir des têtes de mort, des citrouilles, des sorcières. On va regarder les dessins qu'il y a dessus. Donc il y a des têtes de mort. Je n'en vois pas. Il y a des sorcières, effectivement. Ah, les citrouilles, elles sont belles. Est-ce que vous voulez en goûter une? Ou pas? Vous voulez laquelle? Sorcière, citrouille. Une citrouille, s'il vous plaît. Et quoi? Une tête de mort. Oh, il y a picote, hein. Le goût ne change pas, je crois. Non, c'est tous les mêmes goûts. Vous en mettez quelques-unes ou pas? Une boîte entière. Une boîte entière? Mais vous allez devenir énorme après Halloween, vous allez ressembler aux citrouilles. Ah, il y a beaucoup d'enfants qui viennent aussi. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous faire votre compte. Vous n'aviez besoin de rien d'autre. D'accord. Alors, nous avions dit le petit panier. Oh là, pardon. Le petit panier. Hop, les M&M's. Un sachet complet. Une poignée, là on a pesé, ok, en grammage, de verre de terre, et puis une boîte entière de Vigolo, Tocolo, Halloween, soucoupe acidulée, sans gluten. Voilà, je vous donne votre ticket, et vous pouvez passer à la caisse. Au revoir, et joyeuse Halloween! Merci! Il me semble que la journée s'annonce bien. Alors, combien il me reste de marshmallows? Les guimauves. Alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Nous aimerions des Ferrero, s'il y en a. Des Ferrero. Alors, j'ai des Ferrero. Alors, la marque, il y a beaucoup de choses. Mais ici, il va me rester des rochers. Oui. D'accord. Il nous en reste. Vous en désirez combien? Il y en a combien dans une boîte à peu près? Deux étages. Oh, c'est une boîte de deux étages. Il y en a 15 par étage, donc une trentaine. Une boîte? Oui. Oui. Ils seront mangés très vite. Ils seront très vite mangés, d'accord. Ben non, parce que la boîte est fermée. Si je l'ouvre, vous n'en aurez pas la boîte entière pour les offrir. Ça va pas faire joli. Il vous fallait autre chose? Parce que j'ai des super guimauves artisanales. Bon, on va regarder ça. On va regarder. Alors. Les voilà. Voilà. Lord Artisanal, guimauve artisanale. Artisanal marshmallow. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs types. Il y en a des natures, des chocolats, des cocos. Alors, si vous voulez, je vais regarder. Oui, vous avez une question ? Non,
Alors, je vais regarder. Oui, vous avez raison, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ce sont des guimauves de Belgique. Et alors, vous avez des allergies à quelque chose ou pas spécialement? Non. Je suis allergique aux cacahuètes. Aux cacahuètes. Sucre, gélatine, gomme arabique, glucose, fécule de maïs, poudre de cacao. Il y a de la coco. Donc globalement, voilà, il y a du chocolat. Vous avez chocolat ou coco? Est-ce que... On va regarder. Tac, j'ai suffisamment de stock pour pouvoir vous faire une petite dégustation. Est-ce que vous avez envie d'en déguster une? Ça sent très 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 bon. Hein. Non? Vous n'avez pas envie? Non? D'accord. Hop, on va les ranger. C'est vrai que c'est un peu gros. Hein. Ça fait. Après, vous allez trop gros sur. Par contre, j'aimerais bien en avoir les roses avec la coco dessus. Pour la maison? Oui. D'accord. Tu veux mettre ça de côté? Si on peut. Oui, aucun souci. On les vend là. Parce que bon, tout le monde n'aime pas tous les goûts. Hein. Donc voilà. À vos souhaits. Alors, est-ce que je peux vous proposer de goûter quelque chose? Oui. Oui. Nous avons rentré des petites boules. Donc, ce sont des, on va dire, des gelées de fruits qui sont enrobées de chocolat. Ça s'appelle sensation fruit. Nous allons goûter. Voilà, j'ai framboise cranberry. Personnellement, c'est celui que je préfère. Oui, il y en a d'autres goûts, je vais vous montrer. Voilà pour vous et voilà pour vous. Ça, l'avantage, c'est que c'est tout, tout petit. Donc, c'est vrai que si on a envie de se faire une petite dégustation de plusieurs goûts différents, c'est tout ce qu'il faut. Vous demandez un échantillon pour que je fasse goûter à ma famille? Oui. Contre en échantillon, je n'ai que ceux à la framboise. C'est pas grave. Voilà. Nous avons myrtille et açaï. Myrtille et quoi? Açaï. Ou acaï. Je ne sais pas comment ça se dit. Est-ce que vous voulez goûter? Ah, vous n'aimez pas la myrtille, oui, donc forcément. Moi, j'hésite. Vous hésitez? Je le mets sur le côté, vous me direz après. Nous avons mangue passion. C'est peut-être un peu comme un jus de fruits, non? Comme un jus de fruits? Oui, peut-être. Vous allez me dire. Vous les avez goûtés par vous-même ou... Alors, celui-là, je ne sais plus. On sent bien le goût du fruit. Ouais. Je vais prendre un sachet. Celui-là, un sachet, d'accord. Et un sachet de fruits rouges aussi. Un sachet de fruits. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Le dernier, mais non des moindres. Celui-là, d'ailleurs, il a bien baissé. Orange et pamplemousse rose. Est-ce que vous désirez goûter ou est-ce que vous n'aimez pas les fruits? D'accord. De tous les repas, vous mangez des fruits? C'est fruits ou légumes en général. J'adore ce qui est acide. C'est bon aussi ça. Un sachet. Un sachet. Donc on récapitule. De la guimauve rose. Un sachet fruits de la passion. Un sachet framboise, un sachet pamplemousse orange. Ouais. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Est-ce que vous avez des gâteaux? Des gâteaux, alors j'en ai un. Par
en fruits mais. Alors, donc le gâteau, nous avons ici un gâteau. Alors, il est très 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 lourd, j'espère que. Alors, c'est un cake un petit peu plus pour Noël, mais ça se garde. Donc, si vous n'êtes pas, parce que je ne vous ai jamais vu, vous êtes peut-être de passage. Après, vous pouvez le manger quand vous voulez, mais c'est vrai qu'on est sur des saveurs un petit peu, voilà. Alors, ici, on va être, c'est un cake aux fruits, avec des fruits qui ont mariné dans le vin, des cerises qui ont été glacées, il y a du massepain en couverture. Je vais vous montrer parce qu'il est très très beau. Mais c'est vrai qu'il est très très Noël aussi. Pour Noël, je vais prendre ce gâteau. Pour le Noël, vous voulez ce gâteau? Je peux quand même le porter. Alors, il y a des raisins, il y a du massepain. Je vous lis quand même pour être sûr. Au niveau des allergies, il y a des œufs, du beurre, des cerises confites. Voilà, il y a de la carotte. Il n'y a pas de cacahuètes. Je regarde. Il n'y a pas de cacahuètes, mais comme c'est fabriqué dans une usine où il y a des gâteaux avec des cacahuètes, si quelqu'un est vraiment allergique, je vous le déconseille. Est-ce que c'est quelqu'un qui est allergique ou qui n'aime pas ? Ah, vous êtes allergique. Donc, moi, je vous le déconseille. Bah, je vais le prendre pour ma famille. Et pour la famille ? Oui. D'accord. Je prendrai un petit truc pour moi. À ce moment-là, vous allez... Ouais, bah, d'accord, vous allez vous faire plaisir avec autre chose. Je me ferai plaisir avec les bouboules de chocolat. D'accord. Donc ce sera tout hein, pour vous. Je vous fais votre compte. Hein. D'accord. Et là, on sent que de passage. Voilà. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à aller en caisse, d'accord ? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je vous en prie. Alors, on va ranger tout ça. On va ranger tout ça. Bonjour, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour. Nous recherchons des chouchous. Je ne sais pas si vous en avez. Alors, je vais regarder parce que ça s'est arrivé ce matin. Je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est ma collègue qui les a commandés. On va vérifier. Oui, c'est des cacahuètes caramélisées et chouchoutées. C'est ça que vous cherchez ? Oui. Oui. Est-ce que vous désirez la boîte entière ? Oui. Oui, c'est quand même plus joli à présenter. Oui. D'accord. Alors bientôt, normalement, nous aurons ça, même si c'est moins joli, dans du vrac. Oui. Vous savez, pour mettre dans des sachets papier. Donc après, vous pouvez les mettre dans une jolie boîte chez vous. Parce que nous allons essayer de limiter tous ces emballages. Bon, ici, ils font un effort, il y a du carton. Mais bon, c'est recyclable. Voilà. Autre chose qui vous ferait plaisir. Est-ce que vous avez des moames aplaties ? Des moames, on va regarder ça. J'en ai beaucoup. Et oui, ils sont aplatis. Nous avons différents types de moames. Nous avons des moames à la fraise. Des moames au Coca-Cola. Même si on ne sait pas tous les coups, je vais prendre deux de chaque. Deux de chaque. Nous avons des moames à la framboise. Et moi, je n'en mange pas, donc je regarde un petit peu sur l'emballage pour les coups. Voilà, nous avons des moames à la pomme. Bon, c'est assez facile, hein, les couleurs. Oui, il y a des petites. Et nous avons des moames
à l'orange. Eh bien, je n'ai pas l'impression. Ah, attendez. Ah oui, vous avez l'œil. Hein. Nous les avons cachés dans le fond. Quelqu'un a dû dévorer tout ce citron qu'il y avait au-dessus. On se demande bien qui. Donc deux de chaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça coûte plus cher d'en prendre deux de chaque ou de prendre tout le paquet? Au kilo, c'est moins cher le paquet. Mais bon, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Vous savez, nous, on les achète en gros parce qu'avec Halloween, ça va partir. Voilà. Est-ce que je peux vous offrir un petit cœur? Ce n'est plus la saison, mais nous avons des petits cœurs Tagada. Alors, nous avons les petits cœurs Tagada qui picotent un petit peu et les petits cœurs Tagada tout doux. Ceux qui picotent. Donc, ceux-ci. D'accord? Ils sont beaux, hein? Et vous? Vous n'avez pas envie? D'accord. Un crocodile? Qui picote? Vous en avez encore des fraises Tagada? Oui. Je vais en prendre pour la Saint-Valentin. Vous savez, j'en aurai à nouveau des. Préférez les prendre maintenant. Après, vous pouvez offrir des cœurs d'amour, quelle que soit la période de l'année. C'est pas faux. Je vais quand même en prendre. Je vous en mets combien? Un sachet, c'est combien de grammes? 100 grammes, c'est des petits sachets. Parce que ça écœure vite quand même. 3 sachets? Ah oui, 3 sachets quand même, d'accord. Ok, je vais vous préparer ça. J'ai perdu le capuchon. Merci mademoiselle. Des choses qui picotent dans la bouche et qui font du bruit. Je crois qu'il m'en reste que deux, je vais regarder. C'est pour tout de suite ou c'est pour plus tard? Pour tout de suite, d'accord. Il vous fera autre chose après parce que si vous mangez ça maintenant, vous goûterez plus rien derrière. C'est pour fini. Si vous voulez, oui. Puisque comme on a été... Oui, pour pas être écœuré. On va aller un peu. D'accord. Je vous conseille le café à côté, ils ont des thés. Comme ça. Ils ont des thés froids aussi. Oui. Plein de goûts différents. Voilà. Alors, je vais vous faire votre compte et vous pourrez aller régler. Voilà. Ah, ben, il m'en reste un troisième. Tiens, je vais peut-être en manger, moi, ça me donne envie. Vous avez autre chose à vous faire compter? Je réfléchis, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. Des bonbons au miel artisanaux. Vous avez des pèzes? Des pèzes. Non. J'ai des tic-tac, mais vous connaissez. Oui, on adore ça. D'accord. Nous pouvons goûter? Vous avez déjà goûté les duos de fraises ou pas? Non. Non. J'ai
Nous avions ceux à l'orange et citron vert. D'accord, oui, les grands classiques. Oui, voilà, les grands classiques. Sauf que je n'en trouve plus les plantes comme ça. Donc... Si je comprends bien, les roses claires, ce sont des doux. Les roses foncées, les piques. Mmh. Ben dis donc, ça va être difficile d'ouvrir dans la rue, hein, cette petite... Il y a une fermeture sur le côté. On va l'ouvrir à la maison si c'est compliqué. Non, regardez, il y a un petit... Oui, on va goûter. Amusant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là, vous pouvez plus parler, là. C'est bon. Eh bien, mesdemoiselles, je vous dis au revoir. Alors, le magasin va fermer ses portes. Je souhaite à tout le monde un très agréable Halloween. Pas trop effrayant. Plein de bonnes choses à manger. Et je vous embrasse très fort. Au revoir.